Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur l'alimentation InWin Classic Series dans sa version 750 watts. Une alimentation entièrement designée et construite par InWin qui propose tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une alimentation avec des câbles full modulaires, une certification 80 plus platinum, une garantie de 7 ans ou encore des condensateurs de type japonais. On vous propose de faire le tour de cette dernière, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le bundle, vous allez avoir une notice d'utilisation, des scratchs pour regrouper les câbles et la visserie, et enfin un cordon d'alimentation. On continue maintenant avec les câbles modulaires qui vous sont proposés avec cette classique série. On va retrouver un 24 broches ATX qui est gainé en nylon. Ensuite, on va avoir uniquement des câbles plats avec un 4-8 pins CPU, 4 câbles PCI Express 6-8 pins. On va ensuite avoir 3 brins qui proposent à chaque fois 3 prises SATA et 2 brins qui proposent 2 prises Molex et une prise floppy. Nous voilà maintenant devant le bloc d'alimentation classique Series 750 watts. Disons-le tout de suite, ce dernier est absolument magnifique. On vous explique pourquoi toute la partie autour de l'alimentation et en dessous est en aluminium, aluminium qui fait dans les 3 mm, donc clairement on a une finition qui est juste exceptionnelle et ça rend très très bien. Sur les deux côtés, on va avoir des petites plaques en métal brillant avec marqué InWin Classic Series, donc à gauche comme à droite. Sur le dessus, on le voit, on a une grille de type alvéolé qui cache un ventilateur de 120 mm. Ventilateur de 120 mm qui n'est pas de type semi-actif ou semi-passif, mais qui vraiment tourne tellement doucement que on ne l'entend quasiment jamais, que ce soit en charge ou au repos. À l'arrière, on va trouver une autre grille type nid d'abeille avec l'interrupteur et le AC-in pour mettre votre cordon d'alimentation. À l'avant, on va trouver les différents connecteurs pour les câbles modulaires, donc c'est assez bien détaillé. On a les câbles pour la carte, le câble pour l'ATX 24 broches, pour les périphériques de type SATA Molex, pour les prises PCI Express et enfin pour le CPU. Sous le bloc de l'alimentation, on va trouver les caractéristiques techniques qui nous donnent un 3V 3 de 20A, un 5V de 20A et ensuite on va trouver 4 rails 12V de 25A chacun. Alors, ce bloc est vendu dans un petit peu plus de 170 €, garantie de 7 ans, 80 plus platinum, très bon résultat au niveau de la consommation, pas de souci au niveau du silence. On vous propose de découvrir les performances de ce bloc très prochainement sur cocotteland.com et on se donne rendez-vous très très vite pour de prochaines vidéos sur Cocotte TV.